Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On est parti pour la suite du Pro Cycliste avec Ilan Van Wilder et on va continuer cette carrière. La dernière fois, on s'était quitté, on avait fait la route d'Andalousie, la Ruta del Sol plutôt, le Tour d'Andalousie, l'Estrade Bianche, et aujourd'hui on va se trouver encore en Espagne avec le Tour de Catalogne. Il y aura un chrono où on pourra peut-être bien performer. On sait qu'on a été plutôt pas mal, on a rapporté le maillot de meilleur grimpeur aussi. Et ça va être peut-être l'objectif du jour d'aller chercher encore le maillot de meilleur grimpeur. Peut-être une victoire en échappée, on est censé avoir une bonne forme. On a Jay Hindley qui est encore là pour le général. Mais je pense que sur cette première étape, on va tenter l'échappée avec Ilan Van Wilder. On a des petits points quand même intéressants à mettre. La deuxième étape sera un contre-la-montre. Donc on va essayer de partir dans cette étape, dans l'échappée. Ça sera l'objectif de la journée. Et on a donc Ilan Van Wilder qui est à l'avant de la course, les gars, avec Gussens et avec Madrazo. Je sais pas qui est plus rapide que nous, mais voilà, nous on va essayer quand même de mettre ses points. On sait que c'est quand même nos objectifs hein, depuis le début de cette saison avec Van Wilder. Gussens un peu plus en difficulté. Et allez, nous on est en train d'essayer voilà, d'accélérer par rapport à Madrazo. Ouais, Madrazo c'est bon, on est en train de le distancer, ça va être les points pour Van Wilder qui a une très très belle forme aujourd'hui, Ilan Van Wilder. Là il va pouvoir bien progresser, j'ai hâte de le voir sur le contre-la-montre aussi, voir ce qu'il va nous faire Ilan Van Wilder. En tout cas il va passer tranquillement au sommet, classé en deuxième catégorie et marqué 10 points aujourd'hui dans ce classement. Donc bah, c'est parfait pour Ilan Van Wilder. Ilan Van Wilder qui est toujours à l'avant de la course avec que quelques secondes malheureusement d'avance sur le peloton. Le peloton qui revient très fort avec l'équipe IF. Ouais, c'est dommage là, hein. Les IF qui ont beaucoup trop travaillé malheureusement. Et ils nous demandent de rester à l'abri là, notre leader Jay Hindley. On va essayer peut-être avec d'autres coureurs là qui vont tenter peut-être des choses. C'est vraiment dommage d'avoir été repris. Tadej Pogacar est bien placé là aussi, lui va sans doute jouer hein, le général. Sur cette compétition, on est vraiment très très proche du sommet. Malheureusement, je pense qu'avec Van Wilder, on ne pourra pas... on va basculer avec eux, avec ce groupe. Mais malheureusement, on ne pourra pas aller disputer les points au sommet. Et c'est dommage parce qu'il y en avait quand même, pas mal des points. Et donc c'est un petit peu, voilà, un peu dommage. On essaye de remonter. Allez, quoique, peut-être il y a des points marqués là pour Ilan Van Wilder. Non, il y aura trop de monde devant nous. Hop, il y a eu une chute par contre derrière là-bas. Il y a eu une chute. On va rester dans ce groupe nous, on va rester dans ce groupe avec Ilan. Et ensuite l'objectif ça sera peut-être dans le final, on verra ce que ça donne entre les leaders. Si dans la bosse de 3ème catégorie il n'y a personne, on pourra tenter. Mais en tout cas là dans cette côte malheureusement il y a eu deux points marqués par Van Wilder. Bon bah, c'est pas mal, maintenant l'objectif c'est récupération pour notre coureur. Et on est dans le final, toujours Van Wilder bien placé là dans le peloton. C'est amené par l'équipe IF avec Rigoberto Urán et TJ Van Garderen. Pour le moment, il n'y a pas trop de possibilités pour placer une attaque, pour placer un démarrage. J'essaye hein, vraiment là de me replacer en tête de peloton ou quoi. Mais il y a une trop grosse accélération des IF. Hein. Depuis tout à l'heure, ils sont en train de mener l'équipe IF. Et je pourrais pas mettre mon attaque. Sauf que là j'aimerais bien la mettre peut-être dans les derniers mètres. On va essayer. On va essayer de sortir avec Van Wilder. Bah, sinon on jouera la carte hein, sur le contre-la-montre bien évidemment. C'est qui en deuxième position? C'est pas Chris Froome ça? C'est Chris Froome en deuxième position. Allez, 2,5 km. On va essayer là de remonter, de mettre peut-être une attaque. Hop, de se replacer. Et on verra dans le dernier kilomètre s'il y a moyen de mettre un petit démarrage. On remonte avec Ilan Van Wilder. Et est-ce qu'il y a moyen là de mettre cette petite attaque? Allez, à 800 mètres, on essaye d'y aller. Est-ce qu'ils vont nous laisser sortir ou pas? Van Wilder qui a pris quelques petits mètres d'avance. Et au moins, on va basculer en tête. Allez, on va basculer en tête. C'est cool. J'ai pas pu mettre mon attaque un petit peu surprise avec le... voilà, pour surprendre les adversaires. On va quand même faire un petit peu la descente. Il y a de la pluie. C'est tendu, après on a vraiment personne hein, en cas d'arrivée groupée. Van Wilder là il a rien à faire, il va rester bien placé. On sait jamais si on peut mettre une petite attaque. Je pense que ouais, après ça va rester comme ça. C'est Chris Froome qui essaie d'y aller. Est-ce qu'il va être suivi là, Chris Froome? Les IF qui ont roulé toute la journée et qui sont un peu mis en difficulté là aujourd'hui. Tac, on va prendre la route de qui? De Higuita. C'est Warren Barguil
Kamen en tête de peloton. Ouais, Warren Barguil qui essaye de revenir là sur Chris Froome. Et il attaque là carrément Warren Barguil. Hugh Carty qui y va. Allez, on va essayer de suivre un peu tout le monde là. On va essayer de prendre la roue là de Julien Alaphilippe. Voilà, c'est un bon sillage ça, je pense, à prendre la roue de Julien Alaphilippe. Au sprint, on sait qu'on se fait avoir. Mais pourquoi pas tenter des sorties avec des groupes comme ça. Ouais, là, il y a une partie un peu sinueuse. Est-ce que derrière, ça peut le faire? Dorian Godon qui va tenter sa chance. Julien Alaphilippe qui se replace. Il y a Mickaël Chirel aussi. Et voilà, là, c'est une grosse attaque là contre de Julien Alaphilippe avec Dorian Godon. Christopher Froome est toujours devant. Et nous, on est bien placés encore. Hein, on est là, dans ce petit groupe. Il reste les 5 derniers kilomètres. On va prendre notre gel, tranquillou. Warren Barguil, lui, qui est en train d'amener le peloton. Et qui en met une pour attaquer, pour rentrer sur Chris Froome. Hein. Chris Froome qui a de l'avance encore. Allez, une belle petite avance, hein, Christopher Froome. C'est très bien placé pour peut-être pour Vendramé, pour l'équipe... Pour l'équipe AG2R, alors que Froome est là-bas juste devant. Allez, on va essayer de remonter, nous, de se replacer avec Ilan Van Wilder et on va lancer notre sprint. Voilà, là, l'accélération, c'est compliqué. C'est Vendramé qui est devant. Vendramé qui va aller s'imposer devant Julien Alaphilippe et Robert Stannard. On va aller chercher quoi? Un top 20 sur l'étape. Il n'y aura pas de top 10 ni de top 15. 16e de l'étape. C'est pas mal, on va apporter sans doute le maillot de meilleur grimpeur. Et on va être, on va partir 16e, enfin on va partir dans les derniers sur le chrono. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi cette performance en tout cas de Dylan Van Wilder avec la victoire de Vendramé. Et on était encore offensif aujourd'hui malheureusement. Ben, IF qui a beaucoup roulé. Maintenant, c'est le podium de cette étape. Allez, Vendramé qui va prendre le maillot de leader. Le maillot de la montagne, il est pour Ilan Van Wilder, ça fait plaisir de le voir sur le podium. Le parpoint pour Vendramé et le classement des jeunes, Stannard devant Van Wilder. On est bien aussi au classement des jeunes, Ineos meilleure équipe, Israël deuxième. Il a fait combien Froome d'ailleurs sur cette étape puisqu'il se fait rejoindre vraiment dans les derniers mètres. Je pense qu'il a quand même bien craqué Froome, on va aller regarder comme ça. Beaucoup en tout cas, hein, tenté par Froome, il finit 50e du groupe, 4h28, ouais non, il est dans le temps de tout le monde. Chris Froome, il n'a pas perdu trop de temps. Mais bon, la prochaine étape, ça sera celle-ci, autour de Bagnols, et 21 km, difficile quand même. Donc attention, pourquoi pas avec Van Wilder faire un bon chrono, ça sera l'objectif de cette journée. On avait été très proche sur la Ruta del Sol, là si on peut aller le remporter, ça serait vraiment très bien. C'est parti avec Ilan Van Wilder, on est quatrième en fait du général. J'ai pris les bonifs sur l'étape précédente en étant en tête de course, mais je l'avais zappé. Et du coup, bah, ça nous permet d'être hyper bien placé au niveau du classement général, puisqu'on est quatrième à 7 secondes du leader de la course. Et on va essayer de faire un gros chrono, plus 4 chronos aujourd'hui pour nous. C'est une super forme pour le moment, meilleur temps de Brandon McNulty à tous les intermédiaires. Il n'est pas inquiété, Brandon McNulty. Donc c'est notre cible aujourd'hui. Je vais partir fort, je pense que 85 c'est un bon effort, sachant qu'après on a une deuxième partie qui est quand même assez en descente, donc voilà, on va tenter ça. Devant nous on a Ide Schreling, derrière nous Robert Stannard, donc des coureurs qui ne sont pas spécialistes de l'épreuve chronométrée. Là c'est pour ça que je souhaite vraiment partir très fort. Allez, on va accélérer un petit coup là avec Ilan Van Wilder, hop, cramer un petit peu de rouge et rester à 85 pour aller chercher déjà le premier point intermédiaire. On est quatrième à 13 secondes. On est battu donc pour le moment par l'ami Brandon McNulty. Je sais pas comment il est parti parce que je trouve que je roule quand même très fort. Donc à moins peut-être relancer à chaque fois, je sais pas. En tout cas, ben, McNulty a dû faire un très bon temps parce qu'avec cette forme-là, on ne l'inquiète pas pour le moment. Donc, donc à voir derrière, Stannard qui perd 40 secondes, Schreling c'est du 39 aussi. Et là par contre peut-être, on peut se permettre d'essayer de relancer un coup. Voilà, ça nous permet de passer très rapidement là ces petits virages. Le rouge, je comprends pas trop pourquoi il redescend légèrement. Peut-être trop utilisé là. C'est vrai que c'est vraiment de la gestion, des fois c'est pas évident. Schreling à 1.02, on va découvrir le temps là de Ilan Van Wilder au deuxième intermédiaire. On était à 13 secondes, on est à 4 secondes, attention, est-ce qu'on va pouvoir aller inquiéter Brandon McNulty? Pour le moment on est très bien placé. Vingegaard lui a perdu du temps au fur et à mesure du contre-la-montre et nous on est en train d'en gagner du temps là sur, euh,
sur l'ami Brandon McNulty. J'ai pas vu les temps de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui était à 24 secondes au premier intermédiaire. Ouais, Julien Alaphilippe à 24 secondes au premier intermédiaire. Et là, Ilan Van Wilder qui va en terminer très fort. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre ces 4 secondes et aller chercher la victoire à Brandon McNulty? Allez, on donne tout. À bloc là dans les derniers mètres. Top. Deuxième à 9 secondes. Bon, on a perdu un petit peu de temps. C'est dommage. McNulty était combien au classement général? Brandon McNulty, 49e à 10 secondes. Donc, il va être leader, Brandon McNulty. On va être second du classement général, je pense. Avec cette performance, Robert Stannard qui perd 1,26. Julien Alaphilippe qui va perdre 47 secondes. Il y a déjà des bons petits écarts là. C'est Tadej Pogacar qui a fait un très bon temps. Il est 4e du général. Et on verra Vendrame qui perd 1,23 le leader. Superbe étape remportée par McNulty. On est encore 2e sur un contre-la-montre individuel. On est bon, mais il y a toujours quelqu'un de plus fort que nous, malheureusement. Cette fois-ci, c'est Brandon McNulty. Le général McNulty, leader, devant Van Wilder, deux très jeunes coureurs. Van Wilder, toujours leader de la montagne. Vendrame est leader du classement par points. Et Brandon McNulty et Ilan Van Wilder, 1 et 2 aussi au classement des jeunes. Ça va être très très intéressant. On ne pourra pas repartir dans l'échappée hein, sur la prochaine étape. On voit, on est à 7 secondes au classement général. Prochaine étape très très difficile avec cette arrivée à Valter 2000. On va essayer pourquoi pas de tenir sur cette étape, ça serait cool. Et de voir ce que ça donne par rapport à Pogacar, à McNulty, etc. Sachant que McNulty est leader. Est-ce qu'il va se sacrifier pour Pogacar ou est-ce qu'on va tout jouer pour Brandon côté UAE? McNulty qui a 76 montagnes. On a 73 nous, donc si on n'a pas de bonne forme, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué. On est dans cette étape les gars, Valter 2000, on a eu un up avec Van Wilder, c'est dommage qu'on l'ait pas eu avant parce qu'on avait 77, on est passé à 77 chronos, j'ai fait une augmentation grimpeur pour lui, donc un course à étape pardon, donc il a pris un petit plus 1 en montagne, mais là avec le plus 3 aujourd'hui, on peut suivre et je pense que ça va rouler pour Tadej Pogacar du côté de cette équipe Emirati, puisque McNulty a l'air d'être placé quand même devant avec Maika et tout. C'est dommage, hein, McNulty, il aurait peut-être pu faire une bonne étape aujourd'hui. Nous, on est dans la roue de Jay Hindley, qui est protégé par Mark Donovan. Donc, on va voir comment ça se gère aussi dans cette équipe. Nous, on est quand même parti en tête sur la première étape. Et là, eh ben, on est très très bien placé pour aller chercher une bonne place dans le classement général. Là, c'est peut-être un objectif top 10, hein, très clairement. On est bien. On a Tjeveld aussi qui est bien placé, mais moins bon grimpeur. Nicolas Roche également. Là, j'ai limite envie, moi, de me placer dans la roue presque de Tadej Pogacar, en fait. Même s'il y a 19 km d'ascension là encore restante. C'est vrai que la roue de Pogacar pourrait être intéressante, puisque Hindley, il est quand même assez loin au général. C'est le meilleur grimpeur de notre équipe, mais vous voyez, en fait, on a la même note là aujourd'hui. Et c'est dommage que n'y ait pas des coureurs de mon équipe qui souhaitent un petit peu rouler pour moi, entre guillemets. C'est vrai que ça serait cool qu'ils se disent, bon allez, on va rouler pour Ilan. En tout cas, là, on est en train de prendre un peu l'eau là avec notre équipe très mal placée. Avec on est assez mal placé avec Jay Hindley. J'ai toujours ce petit truc là de faufilement pour essayer de remonter le peloton au cas où. Mais c'est vrai que par exemple Pogacar a l'air beaucoup mieux placé ici. Il reste encore 14 km et Jay Hindley, ouais. Allez, il essaye de remonter là. Jay Hindley, il a plus personne pour le protéger ou il a qui? Tac. Normalement c'est Mark Donovan qui est censé le protéger, le coureur américain qui est là. Et Pogacar en deuxième position du peloton. Est-ce qu'il va attaquer Pogacar ou pas? Julien Alaphilippe remonte, il est 7e du général. McNulty est juste à côté de nous là, le leader. Et là on est quand même plutôt pas mal avec Ilan Van Wilder pour le moment. Ça se passe bien. Jay Hindley me fait quand même bien peur et c'est Bernal qui tente d'y aller. Egan Bernal qui y va. Ça va être suivi ça derrière. Voilà, par contre on va essayer de remonter. On va utiliser nous notre faufilement pour essayer de retrouver de bonnes positions. Tadej Pogacar qui essaye d'emmener. Allez, et nous on va essayer là de faire une bonne ascension. Il nous reste 10 km encore. On va rester dans ce petit tempo. Histoire d'éviter de perdre trop d'énergie. Par contre c'est bien, on peut se faufiler. Et étonnant au classement général, c'est Christopher Froome qui est super bien placé. Il est 6e Froome au général. J'ai pas vu du tout son temps sur le chrono. Julien Alaphilippe, est-ce qu'il va essayer d'y aller? C'est Mickaël Honoré qui roule, ça c'est assez impressionnant.
Par contre, Hindley, il est, je sais pas où au général, et je crois que je vais rouler avec lui. Il est combien déjà Hindley? Alors, Rensman est là. Hindley, il est à 1,27 au général. Il a 1 minute 20 de retard sur nous. Là, il fait la même un peu ascension que nous, et il pense que, qu'il va être leader. Non, non, non. Jay, c'est Ilan le leader aujourd'hui de l'équipe DSM peut-être. Ça permet de nous tester aussi là sur des étapes de montagne, de nous tester en jouant en général. On gère mieux notre énergie que notre leader quand même. Hein. On gère mieux notre énergie que notre leader, mais là c'est Julien Alaphilippe et Pogacar qui essayent de dynamiter la course. Allez, on suit. 6 km encore à parcourir pour le moment. Ça se passe bien. On perd pas trop de temps non plus. Voilà. Pas de bonne sortie pour Dumoulin, mais oui, mais toi tu es quasiment cramé, hein, Jay, donc t'as pas besoin de faire le fou comme ça. Allez, on essaye de réaccélérer un petit coup. C'est vrai que Alaphilippe, il y a 24 secondes devant, mais on est en train de plus que tenir là dans cette ascension de Walter 2000 avec Jay Hindley qui va pas tarder à faire une défaillance, une petite fringale de la part de notre équipier. Un petit coup de fringale là de la part de Hindley. Hugh Carty qui a pas l'air bien. Et on est quand même plutôt pas mal. Ouais, coup de fringale aussi de la part de Tadej Pogacar. On est bien, bien, bien avec Ilan Van Wilder. Peut-être Nicolas Roche un peu plus solide. Ouais, c'est peut-être Nicolas Roche qui est un peu plus solide. Allez, on est rentré là sur le groupe avec les meilleurs. On a encore Storer, on a encore Roche. Et Roche, peut-être, il peut aller chercher l'étape, hein, Nicolas Roche. Allez, on est là, nous, avec Ilan Van Wilder. Ça se regarde beaucoup. Il n'y a personne qui ose y aller. On va terminer avec les plus forts là de ce tour de Catalogne. Devant, c'est Mikel Landa qui amène. Allez, dernier kilomètre. Il faut rester quand même solide. Hein. Julien Alaphilippe qui essaie d'y aller. Julien Alaphilippe, ouais, il y va. Il est solide là. Julien avec Landa, avec Carapaz. C'est Pogacar qui est pas bien. On va terminer devant Pogacar aujourd'hui. Nicolas Roche et Mike Storer, très bien. Julien Alaphilippe va aller chercher la victoire. Et les coureurs là qui vont briller chez DSM. C'est pas ce qui était spécialement attendu. Allez, on va en terminer fort avec Van Wilder. On va aller chercher un top 5 aujourd'hui. Peut-être devant Storer. On va faire 4, 5 et 6 côté DSM. C'est très bien. Tuchveld aussi qui va bien figurer. C'est pas les plus forts de notre équipe qui brille. Et Jay Hindley qui va perdre du temps aujourd'hui. Mais superbe étape. Superbe étape. Le leader McNulty qui va perdre du temps avec Froome, avec Swift. Avec Donovan aussi de notre équipe. Mais bien joué de la part de notre team. Superbe course. Victoire d'Alaf en tout cas. Mais Van Wilder qui vient faire un beau top 5 à Walter 2000. Et on perd combien? On perd 37 secondes avec Ilan Van Wilder. Julien Alaphilippe qui va être nouveau leader. Et on reste second au classement général avec une petite avance sur Mikel Landa. C'est intéressant ça. De base, j'étais pas parti pour jouer le général. Et puis finalement, de fil en aiguille, on est en train de bien gérer ce classement. On reste meilleur grimpeur en plus. Classement par points. C'est Alaph, meilleur jeune pour nous. Et DSM, meilleure équipe. Grosse force collective hein, de notre team. C'est bien. Je pensais que ça allait tout donner pour Hindley. Là, quand même, faudrait peut-être qu'ils se disent le petit Van Wilder, il nous fait une très très belle perf. On met quand même 4 coureurs dans les 11 premiers. Au général, on a Nicolas Roche 4e, Martin Tuchveld 8e, Mikel Storer 11e. Au niveau des jeunes, eh ben, Storer est 3e, Hindley est 6e. Hindley un peu plus loin quand même. Au général, Hindley, il a Arensman. Ah non, ça c'est l'étape. Hindley, il a Arensman encore, ouais, devant lui. Non, le général. Ouais, il a Storer, bah, il doit avoir... Et non, il est 21ème. Il est 21ème, a quand même 2,35 au classement général. Nous, on est plutôt bien. Maintenant, la quatrième étape avec l'arrivée à Port-René, qui va être plus difficile peut-être, ça va être compliqué de tenir, mais si on peut revenir dans la descente avec Van Wilder, ou si on peut encore avoir la même forme, ça peut le faire, pourquoi pas, avec notre coureur belge. C'est parti donc pour cette ascension et on est bien aujourd'hui avec Van Wilder plus 5, c'est assez énorme là ce qu'on a encore, on est dans la roue de Jay Hindley puisque je comprends pas vraiment la tactique de mon équipe, il y a tout le monde qui roule j'ai l'impression pour Jay Hindley alors que clairement si là aujourd'hui il est un peu mieux mais est-ce qu'il va pouvoir reprendre ses 2 minutes, ça m'étonnerait. Et devant, c'est les UAE qui roulent avec Ayuso, avec Dombrowski, McNulty. McNulty qui a reculé au général, hein, qui était leader. Il a pris 2,40 sur la dernière étape. Nous, on a notre seconde place à défendre aujourd'hui.
Et on va essayer de se battre, en tout cas, c'est ce qu'il y aura à faire là sur ces 16 km. À l'avant, on retrouve Hendrik Maas avec Kron et Nance Peters, donc une échappée plutôt intéressante, même si, bon, clairement, Hendrik Maas, normalement, est au-dessus hein, de ces hommes-là, le grimpeur espagnol. Déjà fait podium sur la Vuelta, Hendrik Maas, c'est un grimpeur qu'on présente plus, déjà top 10 sur le Tour également. Voilà, c'est un coureur quand même très très solide, l'espagnol. Normalement, il est plus fort que les autres coureurs de devant. Après, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher la victoire? En tout cas, nous, on souffre un peu plus, peut-être aujourd'hui, même si on a une excellente forme. Et chez DSM, hein, je sais pas qui c'est les préparateurs physiques, mais incroyable. Hein, on est tous vraiment en grande condition pour cette épreuve. Et ça fait du bien, cette montée de Port-Lainé pour le moment qui se fait à fond, avec une accélération de Sepkus. Mais il est loin, Sepkus, au classement général. Donc on peut rester derrière Jay Hindley qui roule. Et nous, on est dans la roue de Jay. Ça accélère avec Mollema, Nairo Quintana qui a essayé d'y aller. C'est Woodpulse qui va prendre le relais. Tom Dumoulin qui est dans le top 10 aussi au général. Julien Lafilippe va défendre son maillot. Est-ce qu'on a encore tous nos coureurs là? On a encore Storer, on a encore Roche, on a encore Tuchvelde. Regardez, ils sont tous en forme là, nos équipiers. C'est quand même assez fou. La route de Jay Hindley aujourd'hui, elle est très très intéressante pour le moment. Woodpulse, lui, est un petit peu en difficulté. À l'avant, est-ce que c'est toujours Maas avec Nance Peters? Oh là là, ils sont ensemble les deux, Peters et Maas. Très très intéressant ce qui fait Nance Peters. Attaque de Quintana avec Tadej Pogacar. Julien Lafilippe qui suit un petit peu, mais à distance, hein, j'ai l'impression. Il ne peut pas trop y aller. L'accélération de Pogacar, on reste dans la roue là, de Jay Hindley. Il reste 8 km encore dans cette ascension de Port-Lainé. Pogacar qui a été gêné par Andreas Kron. Est-ce que ça va rouler là? Est-ce que ça va rouler? Il faut y aller là, Jay Hindley. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il s'est un peu arrêté. Il s'est fait décramponner. Là, il nous remonte à pleine vitesse. Je vais peut-être pas... Ouais, je préfère rester moi à ce rythme. Hein. Je préfère pas y aller non plus trop trop fort. Voilà. On remonte tranquillement dans ce groupe. Sans se faire trop mal. Mais regardez le nombre de coureurs de la DSM qui sont encore présents. Jay Hindley, lui, il monte pour le moment comme un patron. Patron de Jay Hindley. On est dans la roue. Pogacar qui essaye d'emmener. On est en train de se maintenir sur le podium de ce tour. Avec Julien Lafilippe qui commence à montrer quelques signes de faiblesse. Et derrière, ça craque avec Carapaz, le 6ème. Tuchvelde qui est en train de craquer. Et Hindley qui nous amène dans sa roue. Hindley qui nous amène dans sa roue. Est-ce qu'on va pouvoir résister là avec Jay Hindley? Il est en train de se cramer, Jay Hindley. Voilà, il va s'arrêter un petit peu. Il y a Hendrik Maas aussi, Tadej Pogacar. On est très très bien là dans la roue de Jay Hindley. Et on a creusé des petits écarts. Parfait. On suit notre équipier. Et on va faire une très bonne opération avec Pogacar qui peut-être aller chercher le général. La victoire qui sera pour qui? On est passé à côté deux fois déjà du côté de la DSM sur le contrôle à montre et sur l'étape précédente. La Van Wilder, pour le moment, il ne met pas un coup de pédale, il reste 1,7 km. Julien Lafilippe qui se bat pour essayer de remonter. Mais c'est peut-être une victoire d'Ilan Van Wilder qui est en train de se jouer sur ce tour de Catalogne. Allez, Jay Hindley, il faut que tu accélères, mon grand. Et nous, on va rester placé dans sa roue. Voilà, Jay Hindley qui en met une. Pogacar qui essaye d'y aller. Et moi, je mettrai au dernier moment, si possible, mon accélération. Allez, Van Wilder qui essaye d'y aller face à Pogacar. Van Wilder contre Pogacar, ça va être pour Pogacar, cette victoire. Poga qui va aller lever les bras aujourd'hui. Devant Ilan Van Wilder et Jay Hindley. Énorme étape de l'équipe. On était quand même en plus 5 aujourd'hui. J'aimerais bien voir les notes de forme aussi de nos adversaires. Parce que là, chez DSM, tous en forme. Tous en excellente condition. Et on va prendre la tête du général, je crois, avec Ilan Van Wilder. Alors que j'étais parti pour jouer peut-être une victoire d'étape. Ou pour jouer des... voilà, ou pour jouer le maillot de la montagne. Ben là, je pense qu'on va continuer de prendre la tête de la montagne. Puisque c'était Julien Lafilippe qui était derrière nous. Pogacar s'impose, mais on fait 2. Jay Hindley qui était un peu décevant. Qui remonte et qui fait 3ème aujourd'hui de l'étape. Franchement, c'est super. Et mes équipiers sans travailler pour moi, finalement, ils ont fait mon... Ils m'ont bien aidé. On est donc leader avec 25 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Jay Hindley Roman dans le top 10. On a encore Martin Tuchvelde dans le top 10. On a encore Nicolas Roche. On a 4 coureurs chez DSM dans le top 10. C'est assez fou. Assez fou, assez fou. Mais on voit qu'on est vraiment la grosse force de ce Tour de Catalogne. Et je suis content.
Le meilleur grimpeur, non, c'est Henrik Maas qui le prend avec son échappée du jour. C'est mérité pour Henrik Maas aussi, qui a fait une très belle étape. Alaphilippe leader du classement par points à égalité avec Van Wilder. Et du coup, on est aussi meilleur jeune et meilleure équipe. Énorme performance collective. Après 4 étapes, on est leader. Mais il nous en reste combien? Il nous en reste 3 des étapes. Donc on va avoir l'arrivée à Manresa qui sera technique. Hein. Il faudra bien passer cette bosse finale. On risque d'être attaqué. L'arrivée à Mataró qui sera plus tranquille. Et le final à Barcelone qui est toujours un petit peu explosif aussi. Donc on va déjà se retrouver pour la prochaine étape à Manresa. J'espère qu'on sera présent avec Van Wilder pour pouvoir tenir le maillot de leader. On est parti pour cette arrivée intéressante du côté de Manresa et on va rouler avec notre équipe puisque ben on est cette fois-ci, vu qu'on est leader, on a des coureurs pour nous avec Donovan, Arensman, Storer qui est très bien et encore un plus 5 montagnes pour nous, donc franchement c'est parfait, on va pouvoir un petit peu rouler je pense en tête de peloton. On a Storer qui est 11e au classement général. Et là, allez, hop, on va emmener 80, un bon petit effort aussi. On va noter les différents leaders dans ce port de Montserrat. Là, par contre, ça roule très très fort. Hein. Marc Donovan va devoir rouler un petit peu plus. C'est le Français Julien Elfares qui est en train d'emmener le peloton pour l'équipe IF. Avec derrière Yates, on a Dan Martin aussi qui se replace, Nairo Quintana qui est un peu loin lui au classement général. Pour le moment c'est mes équipiers là qui contrôlent, c'est parfait, on n'a rien de plus à venir faire. Roche et Hindley sont ici, par contre il y a Tuchveld malheureusement qui est tombé en début d'étape et qui est très très loin, le 7ème du général, enfin lui qui était 7ème du général plutôt ce matin. Là je pense que je vais mettre un autre relais avec Thibaut Arensman parce que ça a l'air beaucoup plus compliqué pour Marc Donovan là malheureusement. Hop, Donovan on va lui dire de rester à son rythme, mais on voit qu'on est un peu mis en difficulté là, donc attention sur cette étape quand même aux attaques peut-être de Tadej Pogacar qui est devant nous là, notre dauphin au classement général. Et on aura un Storer aussi qui devra faire preuve de force dans le final. Jay Hindley, j'ai l'impression qu'il n'en peut plus. Il reste encore 1,7 km avant la bascule. Et regardez, on remonte parfaitement avec Ilan Van Wilder qui est remonté là comme un chef. Ilan Van Wilder avec toujours ses fidèles équipiers dans la roue. Allez, c'est terminé pour Thibaut Arensman. C'est Mikkel Storer maintenant qui peut imposer le rythme. Hop, on va passer en deuxième position. On aurait peut-être dû prendre les points. Parce que ouais, ça nous coûte peut-être un peu cher ce coup-là. J'ai peut-être fait une erreur. Peut-être fait une erreur parce que... Eh oui, ça nous permettait de prendre le maillot de la montagne si on passait en tête. C'est pas très très grave en soi. Mais voilà, c'est quand même quelques points d'oubli en route. Allez, Storer qui continue de rouler là devant Ilan Van Wilder. Et j'aimerais bien attaquer avec Ilan Van Wilder là dans la petite partie ensuite. C'est Bokemolema là peut-être qui va passer à l'offensive. Allez, je vais essayer moi de faire ça avec Mikkel Storer. Ilan qui est dans la roue et qui essayera peut-être d'en mettre une un petit peu furtive d'attaque. Allez, c'est parti. L'attaque peut-être un peu en mode furtivité. Est-ce qu'on peut y aller en mode furtif? On est rentré là sur Bokemolema. Et allez, il faut essayer de faire un petit trou. On est avec Mikel Landa, on est 7. Il y a Pogacar avec nous. Voilà, c'était lui que je voulais distancer. C'était cet homme-là hein, que je voulais distancer. Tadej Pogacar. On va laisser les autres rouler. Et on va prendre la roue de Tadej, bien évidemment. Et Tadej Pogacar, qui est un poison hein, sur ce genre d'étape. Donc voilà, j'ai tenté de le déborder aujourd'hui. C'est Mikel Landa qui fait la descente. Et Pogacar, attention, il est rapide aujourd'hui. Il y a 25 secondes au général. Après, normalement, ça peut tenir hein, pour jusqu'à Barcelone pour remporter cette course. Allez, Pogacar qui va essayer d'en remettre une. On est dans son sillage là. Tadej Pogacar, il est vraiment taille patron là, Ilan Van Wilder. Hein. Il suit les attaques, il a essayé d'en mettre une. Pour le moment, ça suit bien l'attaque de Pogacar. On n'arrive pas à le... Il n'arrive pas à nous distancer, il n'arrive pas à nous lâcher. Pogacar, allez, on va peut-être essayer d'en mettre une nous avec Ilan Van Wilder. Est-ce qu'on peut sortir là? Avec Van Wilder, Bolema qui a pris la roue. Allez, on essaye là de faire une grosse descente. Allez, tap. Molema avec nous. Tac, on va prendre la roue là de Bokemolema. Derrière, il y a quoi? Il y a 9 secondes sur le groupe Pogacar.
Ouais, Mollema qui est bien. La descente, il n'y a pas assez de descente peut-être encore. Et on va finir à l'agonie. J'en ai trop fait, je pense, aujourd'hui avec Ilan Van Wilder. Bauke Mollema qui va aller chercher cette victoire d'étape, je pense. Ouais, on va attendre. Hein. On va attendre derrière. Mollema qui va aller la chercher. Avec Vendramé qui revient et qui va coiffer Bauke Mollema sur la ligne. C'est terrible. C'est terrible. C'est qui va aller s'imposer? J'arrive pas à voir. C'est Vendramé devant Mollema. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Andera Vendramé qui vient chercher un deuxième succès sur ce Tour de Catalogne. Mais qui a pris, malheureusement, Mollema qui avait tout tenté aujourd'hui. Oh, c'est terrible pour Bauke Mollema, franchement, sur une étape comme ça, de se faire avoir. Quel dommage pour le coureur de l'équipe Trek. Nous, on termine loin, dixième de l'étape quand même, dixième de l'étape. Pogacar qui fait 20e, il n'y a pas de bonif marqué par Tadej Pogacar aujourd'hui. La seule erreur que j'ai fait, c'est bon, peut-être de tenter de sortir avec Mollema, mais c'est pas grave, on perd pas de temps. Ça ne coûte pas trop cher. La seule erreur, c'est de ne pas prendre les points du grimpeur. On aurait pu passer devant Henrik Maas. Deuxième victoire de Vendramé pour AG2R. On a toujours ces 25 secondes au général. Et Nicolas Roche est troisième. Il y a dû avoir un changement. C'était qui était troisième juste avant? C'était Alaphilippe. Il n'est plus là, Julien Alaphilippe. Il a peut-être abandonné, alors j'ai pas vu. Maas, du coup, qui est leader de la montagne. Ah si, il est encore là, Julien, mais il a terminé où? Peut-être dans le groupe Tejvev, du coup. Si Roche est sur le podium. Regardez ça, où c'est qu'il en termine, Julien Alaphilippe. Eh oui, il en termine à 18 minutes aujourd'hui. C'est ça, il finit dans le groupe Tejvel, je pense. Il perd beaucoup de temps au général. Parce que il est, ouais, plus dans les premières positions. Et du coup, bah, il est plus leader non plus du classement des par points. Il va nous rester deux étapes. La prochaine à Mataró, qui sera plus soft normalement. Ça nous permettra de souffler un petit peu avant l'étape à Barcelone, où on peut se faire attaquer du côté de Barcelone. Donc il faudra être aussi vigilant. On est dans cette étape, les gars, à l'arrivée qui était prévue à Mataró, j'allais dire pour une échappée sans doute, mais regardez, regardez, on est avec Ilan Van Wilder et ça durcit le rythme au niveau des favoris, puisqu'on a un petit groupe derrière avec notamment Jay Hindley & Co, où il y a pas mal de coureurs. Hein. Là, on est vraiment dans un tout petit groupe avec Pogacar qui a mené une excellente accélération, et donc moi j'ai essayé de suivre. J'ai Donovan avec moi, enfin j'ai pas mal d'équipiers encore à mes côtés, Martin Tejveld aussi, et Ilan Van Wilder pour le moment qui se dirige tranquillement vers la fin de l'étape. À l'avant, on a c'est Louvel qui essaye d'y aller. Pour le moment, il fait une belle étape, mais il a Holman qui est derrière lui, le coureur de l'équipe Movistar. On va quand même bien revenir à ce qui se passe dans le groupe, là, dans le peloton, avec les coéquipes, enfin les coureurs de l'équipe Bike Exchange qui sont en train d'amener. Pour le moment, le placement de Van Wilder est parfait. Il va perdre très peu de temps, au moins Van Wilder. Et derrière, le peloton qui essaye de revenir. On a Egan Bernal, on a Sturer, on a Grosschartner dans le peloton notamment. D'ailleurs, du coup, Hindley a reculé un petit peu. Mais Storer est 8e du général. Et Nicolas Roche, lui, il est dans le bon groupe. Il est là avec nous, Nicolas Roche. C'est parfait. Hop, on va prendre notre gel avec Ilan Van Wilder. On va quand même essayer de rester placé pour ce final. On voit les accélérations. Il faut bien rester présent. On a repris en tout cas les hommes de tête. Et Van Wilder, il faut faire un bon sprint. La victoire devant pour Stannard peut-être avec Lobato qui remonte. Lobato, le retour de Dan Martin. Ça sera trop tard pour Dan Martin. C'est Juan José Lobato qui s'impose devant Dan Martin et Andrea Vendramé. Ilan Van Wilder en termine juste derrière Tadej Pogacar. Pas de souci à ce niveau-là. Nicolas Roche aussi qui ne perdra pas de temps. Il y a un petit peu de perte de temps pour Tejvel, Donovan, Co. C'est nos deux Australiens, je crois, qui perdent du temps, Sturer et Hindley, là, sur cette étape. En tout cas, Nicolas Roche au top, qui va rester sur le podium de ce Tour de Catalogne. On va peut-être monter à deux coureurs DSM sur le podium. Ça serait vraiment top. Puisqu'avant la dernière étape, eh ben, il a quand même 7 secondes d'avance sur Tom Dumoulin, toujours Nicolas Roche. Et nous, on a toujours nos 25 secondes sur Pogacar. On va pas dire que c'est terminé. Parce qu'il va rester la dernière étape. Julien Alaphilippe qui reprend le maillot de leader du classement par points devant Vendramé et Van Wilder. Van Wilder toujours meilleur jeune aussi. Et DSM, meilleure équipe de ce Tour de Catalogne. Grosse, grosse performance. Je ne pensais vraiment pas faire ça avec la team. Le général qui n'évolue quasiment pas. Il va rester le final à Barcelone. Il y a pas mal de bosses. Hein. Le parcours, le circuit final est quand même accidenté. Étape courte, mais étape difficile.
pour maintenir ses 25 secondes sur Pogacar et pourquoi pas remporter la première de nos courses à étapes avec Ilan Van Wilder, ça serait vraiment super bien. Et cette dernière étape de Tour de Catalogne avec Ilan Van Wilder, bien sûr, leader du classement général. C'est parfait ça, mais on va être attaqué je pense aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on va vraiment avoir des attaques un peu de toutes parts. C'est pour ça que je décide là de venir un petit peu contrôler le groupe. Est-ce que j'essaye de faire les points avec Ilan Van Wilder? J'essaie de faire les points là, tiens, de ce grimpeur. On va voir si ça passe, si on arrive à en mettre quelques-uns. Hop, tranquillement, on va s'arrêter, on va reprendre les bonnes roues. Hop, et on va rouler. On repasse devant Henrik Maas au classement de la montagne. De base, c'était notre objectif. On va remporter sans doute le classement général si on fait pas d'erreur. Mais voilà, le final à Barcelone, je crois qu'il a été un peu retravaillé parce qu'il n'était pas tout à fait comme ça avant le circuit final. Et c'est cool parce que bon, le circuit de Barcelone, on le connaissait par cœur hein, depuis PCM. Allez. 15, 14, je sais plus, mais c'était tout le temps le même. Et là, c'est vrai qu'il change un petit peu. Bon, ils l'ont juste un petit peu retravaillé, mais ça change, surtout l'ascension qui est plus, je crois, tout à fait pareil. Allez, en tout cas, là, nos équipiers sont là. Jay Hindley, on retrouve également Timon Arensman. Il reste encore des passages à effectuer là au niveau de cette difficulté. Arensman, il va pas tarder à prendre le relais de Teuchveld, qui est en train de rouler très très fort. Allez, quoique même Arensman, je sais pas s'il va pouvoir le prendre hein, ce relais, tellement ça roule fort, avec l'accélération là de Van Garderen, mais je crois qu'il n'avait pas de points Van Garderen pour le classement de la montagne. Il y en a un qui le fait pas, c'est étonnant que Henrik Maas ne joue pas là ses points. Henrik Maas, ouais, je comprends pas trop ce qu'il nous fait Henrik Maas. Lui qui aurait clairement pu hein, tenter des choses dans ce classement. Il vient pas se mêler à la lutte en tout cas. Et ça peut peut-être permettre à Van Wilder de remporter le classement. Ben pas le classement par points, mais le classement de la montagne. Lui qui était deuxième avec 68 points, ben on en a repris un petit peu. On va essayer de refaire un sprint pour peut-être en mettre quelques-uns. Là c'est Donovan Kamen. Hop, ouais, on va mettre Jay Hindley. Je pense que ça sera plus solide et on aura plus de repères avec Jay Hindley. Hop, on va les arrêter comme ceci. Je regarde où est Jay Hindley. Il est là avec Van Wilder dans la roue. Hop là, les trois. Ils vont rester en auto. Pour le moment, ça roule bien. Storer et Roche qui sont là. Teuchveld qui s'accroche et il va rester le dernier tour. Avec une accélération de beaucoup Mollema. Mollema, il veut peut-être sa victoire aussi aujourd'hui. Attention, il y a Pogacar. On va noter les leaders du général quand même. Hein. On va noter les leaders du général. Eh oui. Et Jay Hindley, c'est important là d'être présent. Il est où, Ilan? Oh, Ilan, il est mal placé là. Attention. Et attention. Il faut vite remonter. Il faut pas faire n'importe quoi là. Voilà, tout en puissance. Là, on doit remonter. On n'a pas trop le choix. Et là, il faut mettre à bloc le petit Jay Hindley. Et rester dans le sillage avec Ilan Van Wilder. Il me fait un petit peu peur, là. Van Wilder qui est mis en difficulté. Allez, Jay Hindley qui fait l'effort là dans cette ultime ascension du jour. Avec devant Bauke Mollema encore qui amène. Ça roule fort, là, Mollema. Allez, on va essayer de faire accélérer Hindley. Je lui ai donné hein, le petit boost. Avec l'attaque de Yates. Il n'y en a qu'un seul d'homme à surveiller aujourd'hui. C'est bien évidemment Tadej Pogacar. Allez, est-ce qu'avec Van Wilder, là, on peut essayer d'y aller? Est-ce qu'on peut essayer d'y aller avec Ilan Van Wilder? On sait que l'accélération, c'est pas notre point fort. Mais il y a quelques points à mettre. Et on sera meilleur grimpeur de cette course. Pogacar, attention à lui là quand même. Tadej Pogacar qui va essayer dans le dernier tour de reprendre ce temps, mais même s'il remporte l'étape et qu'il prend les 10 secondes de bonification, il n'ira pas chercher la victoire qui ne devrait plus nous échapper. Jay Hindley est encore là, par contre Storer aujourd'hui, il est un peu plus en difficulté. Allez, il reste 2 km dans cette étape. Est-ce qu'on va pouvoir aller les déborder ces coureurs? On lance de loin. Moi j'ai lancé vraiment de trop près presque, il fallait lancer plus tôt. Avec la victoire qui va être pour Tadej Pogacar devant Tom Dumoulin, Julien Alaphilippe. On vient faire une 5e place. Mais bon, pas de victoire pour nous sur ce
sur cette route, sur ce tour d'Andalousie plutôt, cette Vuelta Ciclista Catalunya, Andalousie, à chaque fois je dis ça, mais on a remporté le général, et c'est limite le plus important en fin de compte, puisque Pogacar remporte une deuxième étape, après l'arrivée, c'était à Port-Aîné, mais au général, on s'impose avec 15 secondes sur Tadej Pogacar, et dommage, Nicolas Roche qui perd un petit peu des places, Jay Hindley est aussi dans le top 10, normalement on sera meilleure équipe, c'est du coup Tom Dumoulin qui est à la troisième place du classement général, mais victoire d'Ilan Van Wilder, victoire également d'Ilan Van Wilder au classement de la montagne, victoire de Julien Alaphilippe au classement par points, Ilan Van Wilder au classement des meilleurs jeunes, et la team DSM est la meilleure équipe sur cette course. C'est parfait, on a géré à la perfection nos coureurs, on a eu de super formes aussi, ça nous a permis vraiment de bien négocier. On va voir si on a des petites améliorations. Premier, oui, là vraiment, ça va nous remplir pas mal d'objectifs. Et voilà. Est-ce que... Non, on n'a pas la possibilité d'augmenter. On a un petit point supplémentaire qu'on va utiliser, je pense. Ouais, au niveau de super leader, ça c'est un truc que j'aime bien utiliser. Hop, fin du pic de forme, le 21. Ouais, on est le 28 mars quand même, ils nous disent fin du pic de forme, là j'ai l'impression que j'étais encore en pic de forme, hein. Ouais, on est encore en pic de forme, légèrement fatigué, très bon, bah écoutez, c'est parfait j'ai envie de dire, puisque la prochaine fois on sera en avril, et on aura le Tour du Pays Basque, donc une autre belle petite compétition pour nous, Ilan Van Wilder qui, vous voyez quand même, est-ce qu'on peut voir le suivi de progression, c'est pas là, et entraînement, tac, progression, vous voyez, ça a bien augmenté là pour Ilan Van Wilder au niveau de toutes ses stats, et donc au niveau notamment montagne, désormais on a un potentiel entre 78 et 82, 80 et 85 en contre la montre, c'est juste pour le moment les notes physiques un petit peu qui sont à la pêche, mais il a que 20 ans Van Wilder, donc il a encore le temps de progresser, on a une super forme, c'est parfait, maintenant l'objectif, bah, ça sera... dans le prochain épisode avec le tour du Pays Basque de faire aussi de belles performances, ça c'est un petit peu la surprise qu'on s'est imposée une semaine avant le tour du Pays Basque, on verra ce que ça donne, ça sera dans le prochain épisode les gars, j'espère que celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.